Choose your character! Oh! Bonjour à toutes et à tous! Bonsoir! Et on se retrouve pour l'épisode numéro 11, me semble-t-il, sur... Alors, dans le dernier épisode, on était en sous-marin, on a découvert qu'il y avait les méchants, ils avaient des ogives nucléaires, et on était dans un sous-marin, on s'est battu contre une anguille géante, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, mais j'en ai pas, du coup, je sais pas si c'est bon ou pas, mais je vous invite à regarder l'épisode précédemment si vous l'avez toujours pas vu, et je rappelle, si vous êtes tombé sur des vidéos par hasard, que nous sommes trois sur la chaîne, il y a moi, Snake530, il y a Moustique et Katz qui font d'autres moult vidéos. Je vous invite bien évidemment à les regarder. Nous avons aussi fait un petit podcast sur les remakes qu'on voudrait voir. Et on vous invite bien sûr à mettre dans les commentaires de cette vidéo vous, les remakes que vous voudrez bien voir d'un ancien jeu que vous aimez. Voilà, un petit podcast intéressant que vous n'avez pas besoin de regarder, vous avez juste besoin d'écouter. Voilà, c'est parti pour la suite sur... Une métal. Alors je me rappelle qu'il faut que je donne mon argent. Faut que je donne mon argent. Mes 50 millions de dollars. Putain, j'ai enfin trouvé les millions que Fantasio 974 avait cachés. Et faut que je les redonne maintenant pour pouvoir m'acheter un bateau. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ah oui, on avait trouvé aussi un secret. Pour une fois que je trouve un secret, tout seul comme un grand. Bon, on va devoir aller donner les millions de Fanta. Ça se trouve, c'est Fanta déguisé en Captain Haddock. Hein. Moi, je dis c'est ça. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, The Fantasio 974 est un ancien YouTuber qui a pris sa retraite et qui était avec Bob Lennon. Mais si, et bon, si vous connaissez pas Bob Lennon, là, les gars, je vous dis, vous savez, vous connaissez pas YouTube. Quoi, voilà, mais bon, voilà. Voilà, The Fantasio, on pense à toi, tu nous manques et on te souhaite une bonne retraite. Voilà. Il y avait des trucs qui traînaient là, hop là. Ah oui, il y avait un bateau qui passait, c'est vrai, je me rappelle. Et là, je sais plus ce qu'il y avait en haut. Excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Ah oui, c'était un... Il y avait ça, mais je crois que c'était un cul-de-sac. Ouais, c'est ça, c'est un cul-de-sac. C'est juste pour prendre le pognon. Petite roulade. Petite roulade. Tout le monde fait dodo, c'est magnifique, sous la pluie, franchement, ils vont se taper à une putain de... rhume ou de... une grosse grippe, hein, à rester sous la pluie comme ça, mais c'est pas grave, c'est des méchants, de toute façon, on s'en fout. Voilà, tiens, ton sale argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a mon argent, moi. Je sais que c'est toi, Fantasio, j'ai reconnu, c'est une fausse barbe. And that's how I bought the ship I would finally escape in. Non mais arrête, en plus ça sert à rien. Rends-moi mon argent. Putain, il y a Thor est contre moi. Le dieu du tonnerre. Saloperie. Tu mets, rends-moi mon argent, je t'ai. T'as de la chance que je suis un gentil. Que le jeu il veut pas que je te tape. Aussi. Mon argent il est plus il a servi à rien. Hop, je ramasse ça et je reviens. Dégueulasse. Dégueulasse. Franchement, le jeu je le trouve dégueulasse. Ah bah maintenant il y a monsieur qui brille. Oh. Ah, le dieu de la foudre il m'a ouvert un passage. Il est gentil, le dieu de la foudre. Je l'avais pas fouillé cet homme là. Moi, je l'avais pas fouillé après. Ah. Oh. Et tu veux pas l'ouvrir celui-là? Ah. Je veux mon argent. Ok, d'accord. Alors attendez. Voilà, c'est ça. Continue. Ah. Oula, oula. Aïe. On voit qu'il a mis ça. Oula. Hop là.
je veux regarder dans tous les trucs. Y'a rien même pour retrouver de l'argent, moi. Franchement, j'aime pas cette partie là. Hein. Vous le voyez, pas casser ça. Bon, je vais quand même taper un petit peu partout, mais je pense pas qu'il y ait de crête dans les vis. C'est ça, comme si j'utilisais beaucoup mes grenades. Hein. Oh oui, merci le jeu. 10 millions de dollars, c'est déjà pas mal. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. S'il faut repayer un truc, je vous jure que le jeu là, il va m'entendre. Hein. Y a un bateau qui va passer ou pas? Non. En tout cas, j'ai beaucoup de trucs de soin. Bon, après, je suis en mode facile. Moi, j'ai rien, quand même le dash. Tchou, tchou. En mode facile, mais quand même. Beaucoup de. Toujours rien d'utile, bon, j'aurais dû dire. Ah, il y a des méchants. Alors, attendez, on va prendre. Ok, il y a deux méchants en haut. Et une médaille. Ok, d'accord, ok. C'est bien les jumelles. Bon, j'aurais préféré avoir les jumelles Olsen, mais. À l'époque, ils sont majeurs, hein, je dis quand même. Are you telling me that a nuclear submarine attacked you? That's what I'm saying. Ça, c'est normal, monsieur. And now you're gonna tell me you fought it instead of running away. Of course. I would have left it alone if it didn't launch. Je t'aurais laissé tranquille. And nobody launches missiles at me without permission. Jess Fox contre le sous-marin nucléaire. Oh putain. Alors attends, 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 attends. J'ai pas de munitions de ça. Oula, ça a un petit peu bugué là. Oh d'accord, ok. Ok. What? Qui m'a touché? Attends, juste un truc. Je peux pas l'utiliser, on est d'accord. Ah, il faut que j'ai des roquettes, mais je peux. Ah, si ça marche avec ça, je suis con. Pourquoi, pourquoi quand je récupère. Ah non, non, mais. Non, non, je peux pas. Je suis con. C'est un lance-roquette, c'est pas un lance. Moi, dans ma tête. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais à un lance-grenade. Je me fais toucher alors. Ah oui, d'accord, je vais dans le feu, mais je suis con. D'accord, faut pas que je. Ça fait du feu par terre et moi j'y vais dedans comme un con. Oui, 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 oui. Ok, j'avais pas compris. Excusez-moi, c'était le premier boss. J'ai fait de la merde, j'ai pas compris. Je me suis emballé les pinceaux. J'ai re-sauvegardé comme un con. Bon, on va passer jusqu'au bout. Je retourne de voir le sous-marin. C'est reparti. En fait, il faut essayer que je le mette dans des zones. Ah putain, je suis touché quand même. Faut que je fasse gaffe. Putain! Ah, des lance-roquettes! Il y avait des lance-roquettes, putain. Il y avait des lance-roquettes. Oh putain! Tout mis à côté parce qu'il fallait que je vise la grosse tourelle. Ah super, il y a des morceaux en plus de la map qui s'en va. On va quand même le faire la calagrone. Hein. Tiens. Putain, c'est chaud. Hein. Hop là. Yes, c'est bon, j'ai eu la.
J'avais le bon endroit pour viser le haut du sous-marin. Jess Fox wins avec des complications un peu compliquées parce que Snake 503 est trop nul. Triumph was fleeting. The platform collapsed after the ballistic abuse from all the missiles. Level up! Oh ouais, comme ça, direct. Alors, armement lourd, 25% de dégâts supplémentaires avec les grenades et en requête, hein, ça peut aider. Lente guérison lors de l'utilisation des bandages. Le problème avec les bandages, je n'utilise pas beaucoup, c'est vrai. Hein. Après, j'ai tellement de kits de soins. On va faire 25% avec les. Quoi, oui, s'il y avait. J'espère qu'il y aura des. Merde, non. Merde. Oh, je vais ramasser un petit peu de. Grenade. On lui ramassait des munitions avant! C'est bon! Cette fois-ci, je me barre! Wouh! C'était chaud. J'ai pas récupéré de missile par contre, mais au moins. C'est bon! J'ai. Alors attendez, on va utiliser un peu de bandage. Après, c'est que pour les saignements, les bandages, on est d'accord? Ouais, c'est pour ça. Hop là. Voilà! Wouh! Ah! On m'appelle? Allô? Mr. Fox, did you ah, c'est le méchant! One of my submarines? She attacked first. Ah, c'est lui qui a commencé d'abord. Thank you for revealing your position. Hey Fox, tu m'as appelé aujourd'hui? Here I am, Robert. Fox, the comms are fucking lit. They're sending everything they have to the docks. What the hell did you do? I just sank a nuclear submarine. That'll teach it not to launch its missiles at me. Are you kidding me? I'm serious. Good thing it wasn't armed with nuclear warheads. They must be saving them for Operation Jericho. Speaking of nukes, hearing a lot of chatter that they're prepping there to the Omega building. Man, if you don't stop them, there's gonna be a worldwide bloodbath. I won't be stopping them. But who else will? I don't care, Robert. Right now, I don't need to be recruited by another colonel to save the world. Right now, I just need to save my ass. And the moment bon, I find anything, even a pool float. Même un matelas de piscine, ça va être compliqué quand même avec un matelas de piscine. Ok, bon, bon, au moins, ça c'est fait. Bon, les grenades, j'en ai à fond. Du coup, je peux plus aller à droite. Oh merde, à droite, j'avais eu plein de stuff. Ah, je suis dégoûté. Au général. Oh non! Oh putain, le bordel de. On va utiliser. Voilà, on va utiliser ça. Je vais pas réutiliser une potion au moins. Oh mais non, mais putain, mais. De la jerrycane, on va. Bon, je vais mettre du sang partout, mais c'est pas. Hop là! Voilà. C'est des couilles, les gens! C'est vrai que j'en attire un. Comment je vais faire? Ah merde, non mais je veux taper dedans. Ah. Là il me voit pas. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Je fais. Genre tu vois pas la pièce là? Ah non. Pourtant il tourne la tête. Bon bah écoute, c'est bien. Je pensais vraiment qu'il pouvait me voir d'ici. Merde, arrête de l'en. Arrête, arrête. Non, non, il me voyait pas, ok, d'accord. Ah! Moi, je peux pas les mettre dans des containers, ça serait très drôle. Au moins, il serait à l'abri de la pluie, hein. Mais c'est pas du jeu. Moi, je peux pas. Ah, je peux pas fouiller l'autre, bon, ok, d'accord. Compris. Oui, de toute façon, ils avaient rien. Attends, je vais le mettre ici. Et lui, je vais le mettre ici. Voilà. Bien sous la pluie. Voilà, comme ça, comme je viens d'en avoir, je lui... Hop là. Il n'y a pas un secret ici. Non. Ok, d'accord. Jamais, je vérifie. Inside that hangar, I found what I was looking for. Boots I needed to escape.
trouver un bateau pour s'enfuir. Zodiac motorboat and a hovercraft. The Zodiac was the faster and more maneuverable choice in the water. But hovercrafts were versatile and could pass over terrain where Zodiacs could not. Ah, vous voulez faire un choix? Ah, le vieux bateau à l'ancienne ou le aéroglisseur qui fait stylé? Ah, fait chier parce que moi j'aurais bien pris le vieux bateau, ça me rappelle un peu Jurassic Park sur Mega Drive. Et le aéroglisseur, j'avoue que j'ai pas confiance. Mais après, le bateau il peut être facilement cassable. On va sortir son flingue parce que j'ai pas confiance. Bon, allez. As I checked the Zodiac, I found out that. RRCV ou CRD? Dites-le en commentaire, on se retrouve dans le prochain épisode, tant que j'aurai pas la réponse. Allez, salut tout le monde. Non, je rigole. Bon, et ben écoute, on va faire RSV. Parce qu'il y a un S comme Snake. Puis il n'y a pas de logique. Its gas tank was empty. Ah, réservoir. Voilà. Heureusement, on a trouvé un tout à l'heure. Hein. Gauche-droite pour se déplacer. RT pour tirer la mitrailleuse. Oh, il y a une mitrailleuse. Oh, bah cool. Ça fait un petit peu le 4-4, la fin de Metal Gear Solid quand on tire contre liquide Snake qui nous poursuit. Ok, d'accord. Ok, oula. Ah oh, oui, d'accord. Ok, il y a un peu d'inertie. D'accord, ok. Ah, hélicoptère, bah justement. Oh, Jazz Fox contre un Black Thunder. Hélicoptère noir. Ouais, on va pouvoir détruire un hélicoptère. Ça, j'adore. Oh, c'est dommage que j'ai pas de lance-roquette. Enfin, j'ai un lance-roquette, mais j'ai pas les missiles. Ouh, j'ai esquivé celle-là. Oh là là, putain. Par contre, ça doit être difficile de tirer la mitrailleuse et en même temps de conduire un bateau. Hein. Je sais pas comment fait Jazz Fox. Hein. Et Jazz Fox, il peut tout faire. Ah merde! Ah, j'ai bien volé. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. J'ai complètement. J'étais sûr d'être dessus, mais la vitesse ça va très vite. Ah, j'étais pourtant bien. Hein. J'avais tiré plus de la moitié de sa vie. Je tire à l'avance. Un hélicoptère à détruire. En plus, ça l'a touché. On va faire gaffe. Faut pas trop que je vais regarder un petit peu plus la rivière que l'hélicoptère. Voilà, on peut faire ça parce que on se concentre. Ne concentre pas trop sur les capables, si t'as très envie de le détruire très vite. Snake, retiens-toi et concentre-toi sur la navigation. Allez, il est presque détruit. En plus, j'arrive à esquiver sans faire exprès les missiles. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais que regarder la rivière. Jazz Fox Wings, j'aurais dû faire un premier coup sur ça. Je suis vraiment une merde. Détruire un hélicoptère, ça devait être facile quand même, bordel de merde. Stage complete. Expérience obtenue, 12 sur 12 et un secret de manqué. Ok. En tout cas, j'ai eu toutes les expériences. À midi et de Dieu, surveille. The confrontation with that chopper exhausted every drop of gas I had left. With no gas, the engine stopped shortly thereafter. Despite the dangers, I used my own arms to paddle forward. Il y avait des sangsues, non? Piranhas and crocodiles constantly. Ah non, d'accord. My hands. Ah oui. Les piranhas et les crocodiles, hein, ils vivent tous les deux ensemble, bien évidemment. You're certainly a lucky man, Mr. Fox. Ouais, vous êtes un héros de jeu vidéo. Ok. J'aime bien les petits pixels là de ces trucs là, de la caisse et tout. C'est un petit détail à la con, parce qu'ils auraient pu juste mettre un ponton. Mais ils sont cassés cul à mettre un baril, une caisse et un truc là. Je sais, c'est con, mais. Ah, du bambou, du roseau. Ah, bah oui, du bambou, un roseau de bambou, quoi. Ok, on va nourrir un panda à un moment ou l'autre, ou. On va se faire une flûte, ou un bâton. On va faire à la Shaolin, on va se faire. Comment ça s'appelle, merde, c'est un Nunchaku, mais à trois branches. Merde, j'ai oublié le nom. C'est comme dans le film La dixième chambre de Shaolin. Vraiment bien ce film, j'aime bien. Please, oh please, don't kill me. Why would I want to kill you? Hold on. You're not one of those bastards. Of course not. I'm a very nice guy. By the way, what are you doing? Those bastards won't stop building fences everywhere. They think the jungle is theirs. So I cut them. Yeah, c'est marrant. C'est bien. Do you have, by any chance, a van to get out of here? I had one, but they took it away.
The old man told me a few stories about that place. It was isolated, with no roads or towns nearby. And most importantly, he told me about what I might encounter up ahead. Et je regarde, c'est des secrets. Je peux pas redescendre par là. Ok. Ok. Alors on va lui parler. Non, on peut pas lui parler. Ok. Ouais, d'accord. Il m'a pas dit les. Attends, je tape dans les murs. Il y a un secret. On voit plus la caméra. Ouais, il m'a pas dit c'est quoi les dangers qu'il y avait. Ok, bon bah. T'as tous les murs et je trouve pas de super. Oh, une caméra! Mon plus grand ennemi. Oui, j'ai beaucoup there, de grands ennemis. Hidden in the middle of the jungle stood a compound riddled with cameras. The level of security was sky high, like the mansion of a cartel boss. And I could see why. Because the center of this fortress was the Omega building, the heart of Operation Jericho. The old man told me that he saw some helicopters landing on top of the building. If I stole one of them, that would be my ticket out of here. Ah, le fameux hélicoptère, on s'échappait en fait. For sure. If I was detected by a camera and the alarm triggered, they would put the Omega building in lockdown and I could kiss those helicopters goodbye. But none of that matters because even though I was already showing signs of exhaustion, I slid in like a shadow and managed to go undetected. Attends, les bâtiments OK, ils ont déclenché l'alarme. OK, d'accord, mais est-ce que ça marche d'être en dessous de la caméra? Oui, d'accord, OK. On vient le dessus du point mort de la caméra. The door was locked and chained. There was nobody outside, so finding the key for the lock wasn't an option. I could cut the chain with a bolt cutter, but where would I find one? Où en trouver un? Ah, on se demande, dis donc. Je pourrais tirer avec mon arme, hein. D'habitude dans les films ça marche, tu tires sur la serrure et puis pouf. Là on va chercher le boulon du vieil homme. Est-ce que je pourrais l'avoir s'il vous plaît? Hello, friend. Give me that bolt cutter. S'il vous plaît, on dit. It's mine. Oh bonjour. Oh bah oui, je suis un type sympa, hein. It's mine. Oh bah oui. Oh bah oui, Jace Fox c'est un type sympa, hein. Oh bah oui. Le pauvre vieux monsieur. J'aurais dû dire merci, on aurait pu échanger, j'avais 10 millions sur moi. Non, en fait, non, t'as bien fait. Are you saying that you stole from some defenseless old man? J'avais pas lui donner 10 millions quand même. What? Me? No. I paid him. When I said it was practically highway robbery, I meant. Hello, friend. Hello, Gramps. I want to buy that. Oh non, il voulait débarrasser 10 millions. It's mine. How much are you willing to pay? Here are some coins. It's little money, pal. Oh, look, I also have 10 million. Mais dis pas 10 millions, t'aurais dû dire si c'est 1000 dollars ou 500 dollars. Thank you, Gramps. Mimi. Welcome. Mimi. Pourquoi le jeu il me fait des. Mais non. Mais non, mais rends-moi mon arche. Pourquoi il fait mal comme ça? Pourquoi il m'enlève 50 millions et après m'enlève 10 millions? Il m'énerve, ce jeu, il m'énerve. Là, je n'aime pas cette partie-là du jeu. Voilà, je le dis tout de suite. Franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas des choses comme ça. Il aurait pu donner juste 100 dollars, c'est bon. J'avais 510 millions. Oh, d'accord, faut juste appuyer. Je pensais qu'il allait le faire automatique. DVC, ok, d'accord. Joli complexe. J'aime bien cet arbre, il est là juste pour la déco. Là il y a une caméra qui bouge. Là il y a des. Ah maintenant, le centre du truc c'est les caméras. Ok, d'accord. J'ai compris, c'est le nouvel ennemi. Y'a quelqu'un qui est dans les toilettes? Non, oh. Y'a quelqu'un dans le lavabo? Non. Bon, on sait jamais, je demande. Ok. Alors attends, parce que en haut il y a les caméras. À gauche il y a les caméras. Il y a des caméras partout. C'est une ficelle, d'accord. En anglais, ça va être string. J'aime bien les strings. Bon, à mon avis, pour passer là, il faudra quelque chose. Ça fait, on dirait que ça fait des yeux, le truc rouge là à gauche. Vous voyez. Et alors là, il va falloir jouer. Ah putain, merde.
Il a pas. Il faut attendre que le. Didn't you say that the alarm never sounded? You're contradicting yourself, Sergeant. Execute this liar. Yes, sir. Ah oui, il va être comme ça, mais on peut parler. Oui, c'est direct. Ok, d'accord. Mais d'accord, on va pas se faire opérer du tout, quoi. Non, mais c'est chiant parce que l'inertie pour que le. Pour que. Regardez, pour que je prenne le truc, faut que j'attende bien qu'il tombe par terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la caisse. Ensuite, je. Voilà. Faut que j'en fait, je fasse ça. Et je revienne. Hop là, on va se mettre sous la caméra. On fait ceci, on fait cela. Ouh. Ouah, j'ai réussi. Hop. Il y avait peut-être des secrets. On va pas tenter. Ok, oh, d'accord. Ça, c'est malin, ils ont mis des barils. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein, je réfléchis à être le plus discretion possible. Que c'est. C'est bon, je suis passé. Bon, il y a deux caméras quand même pour le même mur. Hein. Je dis ça, je dis rien, ça sert pas à grand chose. Ah ah, un uniforme. Deux uniformes. Pas de secret. Oh, mais j'aurais mis un secret, vite. Oh, putain, ils sont vachement durs à trouver, les secrets, dans ce jeu. Hein. Quand je referai le jeu et tout ça avec la soluce, parce que oui, je veux pas me casser le cul, chercher partout parce que je suis feignant. Je vais me dire, ah, c'était là, putain. Alors, porté par les méchants. That uniform would be handy later to create a fake Mike. Un Mike factice, d'accord. A moment, Mr. Fox. Why didn't you put on a uniform yourself? Eh oui, pourquoi j'ai pas fait ça? You had to remove a uniform off any guard from the beginning. You realize that you could have slipped past at any time, dressed as another guard on shift. So tell me, Mr. Fox, why not? Because I didn't want to end up as one of them. What? It's just clothing. A disguise. That's how it starts. First you're dressing like them. Parce que je suis comédien. You're eating like them, sleeping like them, paying your taxes like them. You end up reading their literature, reciting their poetry, and you slowly sink into their system until you end up. Il est quand même bien timbré, hein, quand même, Jess Fox. I couldn't let that happen. Et oui, parce que je suis comédien, moi, monsieur. Mon costume imprègne de qui je suis. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va essayer de revenir en arrière. Et on va aller après. Sauvegarder tout de suite. Alors attendez, on va pas faire le con, voilà, parce que je savais que la caméra allait revenir. Je vais même prendre un petit pot, je vais utiliser un petit pot. Sauvegarder ici. Au cas où, on sait jamais, comme ça j'ai un bon bol de pisse. Un beau pot de chambre de pisse. Hop là. Et voilà. On va sauvegarder et puis on va se dire au revoir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, c'est Kratos, à regarder les autres vidéos, bien évidemment, de mes collègues et de moi-même, hein, voilà. Et appuyez sur la cloche pour être près des prochaines sorties des vidéos. On se retrouve pour le prochain épisode sur Metal. Salut tout le monde et portez-vous bien.